Amis du soir, bonsoir. Bienvenue sur ma chaîne. On va faire notre tirage journalier pour la journée de demain, le 20, jeudi 20. Je tiens quand même à rappeler que ce que je tire pour demain, vous ne vivez pas tous la même chose au même moment. Donc c'est toujours intéressant peut-être d'aller revoir. Bon, évidemment, là, je commence seulement, mais peut-être aller revoir 2 jours avant ou enfin voyez un petit peu comment ça peut vous parler pour ceux qui écoutent un peu tous les jours que ça leur parle pas, que ça va vous tiquer peut-être la semaine prochaine que j'ai lâché un truc cette semaine-ci. Voilà, c'est pour vous dire que c'est intemporel et que ça peut pas vous parler à tous au même moment, ce qui est normal, évidemment. Donc voilà, on va faire notre petit tirage pour la journée de demain. Donc voilà, on va commencer avec les Capricornes. Coucou les Capricornes. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous? On nous parle de conception et d'une femme pour nous. Oh là là! Bon, alors ici, pour certains Capricornes, clairement, en premier message, j'ai une. Peut-être un rapport. Oui, un rapport sexuel avec une femme pour vous, mesdames. Et on a la conception et la création d'un enfant. Voilà, on a peut-être une grossesse qui a débuté ici au mois de mars. Voilà, et qu'on n'est peut-être pas encore au courant ou qu'on vient de l'apprendre, enfin, adapté. Sinon, un autre message, je dirais qu'il y a le commencement, on est en conception d'un nouveau projet pour vous, mesdames, ou par rapport à une femme, qui va vous apporter beaucoup de plaisir. Ça peut être aussi la conception de, j'ai envie de vous dire, de quelque chose d'artistique, tout ce qui touche à l'art. Voilà, qui va vous donner énormément de plaisir pour vous, les Capricornes. Voilà, j'espère que ça aura parlé à certains d'entre vous. C'est plutôt positif hein, comme tirage, on va dire. Allez, les balances. Coucou les balances. Qu'est-ce qu'on a pour vous? On a un voyage. La carte du voyage et la stabilité. Qu'est-ce qu'on a avec le miroir? Ah, ici, on est en train de se projeter, de se poser beaucoup de questions pour certaines balances par rapport à un déplacement, peut-être. En tout cas, ça nous parle de peut-être se déplacer pour avoir plus de stabilité ici. C'est surtout, à mon avis, par rapport au mental. Il y a le fait de peut-être s'éloigner aussi de certaines personnes pour retrouver sa stabilité. Parce que là, on est beaucoup en questionnement, en effet miroir ici, chez certaines balances. On veut s'évader pour retrouver de la sérénité ici. C'est un peu le message que je vois pour vous, les balances. Voilà. Je vous souhaite une excellente journée. Bisous, bisous. Alors, mes gémeaux. Coucou, les gémeaux. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous pour cette journée de demain? On a une évidence et on a la destinée. Waouh, c'est plutôt pas mal. Et on a un retour ici. Donc là. Ici, il y a peut-être quelque chose qui revient vers vous pour cette journée de demain. Il y a une révélation, il y a une solution, il y a une mise en lumière, en tout cas une réponse qui arrive à vous. Et c'est votre avenir, c'est irrévocable. Là, ça va rester, ça va être inchangé par rapport à cette évidence, par rapport à cette mise en lumière. C'est quelque chose qui va revenir vers vous. C'est vraiment ça. En tout cas, cette situation qui est revenue, c'était une évidence, que ce soit votre destinée. Enfin, adapter ici, j'ai quand même un homme et une femme qui s'accrochent. J'ai quand même les 2 doigts ici en forme de cœur. On voit qu'il y a une femme qui va évoluer, monter les marches avec son épée à la main. Voilà, on a quand même quelque chose d'assez positif pour moi, pour vous les Gémeaux. Je vous fais plein de gros bisous. Allez, mes amis les taureaux, coucou les taureaux, j'espère que vous allez bien. Qu'est-ce qu'on a pour vous? Ah, on a la clé et la prise de conscience. Tink, l'ampoule s'allume. On a eu ici des discussions. Il y a eu des réunions, beaucoup de discussions avec peut-être plusieurs personnes autour de la table. On a eu des conversations peut-être pour ici qui vous ont apporté, j'ai envie de vous dire, un genre de pouvoir de décision, comme une solution, quelque chose qui vient. Mais c'est vraiment une illumination pour vous. C'est une compréhension qui est arrivée par rapport à des discussions. Peut-être qu'il y aura des discussions demain qui vont vous apporter des solutions et qui vont vous faire prendre conscience par rapport à des décisions à prendre. Ici, c'est vraiment, on a vraiment cette prise de conscience, la clé, la discussion, la réunion. Voilà, il y a quelque chose qui va se discuter, on va avoir des solutions, on va mettre en lumière, on va avoir cette compréhension qui va arriver à vous. Ça va être vraiment être une clé pour vous.
Mes amis taureaux, j'espère que ça vous aura parlé. Allez, les béliers, coucou les béliers. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous? On a ici la femme et la fin. Ok. Et on a deux fois la femme. Ok. Oh, alors là. Donc là, on peut nous parler, ce n'est pas vous consultant, mais peut-être que cette femme-ci, quoique, ça peut être une femme, une tierce personne aussi. En tout cas, il y a la fin, une séparation, il y a quelque chose. Il y a pour une femme, par rapport à une autre femme, peut-être, il y a quelque chose qui est arrivé à son aboutissement. On nous parle peut-être d'un couple de femmes aussi, si ça vous parle. C'est quand des énergies générales, donc interchangées. Ça peut être deux hommes aussi, et que j'ai sorti deux femmes. Voilà, enfin, vous voyez un peu comment ça vous parle, ou en tout cas, vous êtes peut-être dans une situation où vous êtes face ici à deux femmes et qui a la fin avec l'une d'entre elles et il y a l'autre qui reste. En tout cas, enfin, j'ai peut-être envie quand même de vous en rajouter une petite par rapport à cette situation. La femme, deux fois la femme quand même. J'ai trois F quoi. F, F, F. Hop, hop. Je prends pas, non, c'est trop, j'en voudrais qu'une. Le miroir, ok, d'accord. C'est rien. Je parle encore toute seule. Allez, une carte supplémentaire. Bon, elles veulent tomber toutes les deux. On me parle de clairvoyance. Hein. Il y a des choses qu'on voit arriver. Je m'excuse, mais je plonge au sol. Puisqu'évidemment. Ah, on nous parle d'un cadeau de famille. À la fin d'une situation en rapport avec peut-être deux femmes, deux tierces femmes devant vous. Et on nous parle qu'il y a un cadeau par rapport à la famille ici, par rapport à votre famille. On nous parle vraiment de ça. À la fin d'une situation, c'est un cadeau pour vous. Peut-être en rapport avec la famille. C'est peut-être deux sœurs ou enfin, vous voyez un petit peu. Ok. Ou peut-être la séparation de ces deux femmes, de cette famille. Et à la fin, c'est peut-être un cadeau pour l'une des deux. Voilà. Adapté. En tout cas, ici. Des accusations derrière. Hein. Vous voyez un peu comment ça vous parle les béliers. Je vous fais des gros bisous. Allez, on va aller voir pour le signe suivant. Les lions. Coucou les lions. J'espère que vous allez bien. Qu'est-ce qu'on a pour vous? On nous parle d'union, de famille et de loi. Pour moi, ici, il y a un partenariat qui va se faire avec peut-être l'influence familiale ou alors peut-être aussi un contrat par rapport à un héritage. En tout cas, ici, on a la loi, la justice. Il y a des choses ici qui vont s'équilibrer, qui vont être décidées. Pour moi, il y a des officialisations ici. Peut-être, oui, j'ai beaucoup l'héritage ici avec cette justice. Ou alors, vraiment, on a des déclarations, on a un mariage ici qui va être officialisé ici pour certaines personnes. Ou en tout cas, vraiment, j'ai l'impression. Qu'on a décidé aussi pour certains de se mettre en couple et de former une famille, pour certains d'entre eux. Voilà. En tout cas, il y a quelque chose d'officiel qui se fait pour vous, Méline. Alors, les vierges, qu'est-ce qu'on a pour vous? Oh, on a l'évolution, la progression, les opportunités, une issue. Ici, on a découvert une possibilité. On nous parle sur votre instabilité. Donc, vous êtes peut-être en instabilité ici, physique, émotionnelle, intellectuelle. Vous marchez sur un fil. Et là, on voit qu'il y a quelque chose qui va progresser, qui va avoir une amélioration, un avancement ici, une croissance, un développement sur le plan sentimental. J'ai l'impression que c'est quelque chose qui vous tient à cœur. Et là, on voit qu'il y a des possibilités, on a des occasions, des alternatives. Il y a une porte ici à ouvrir. Ça a peut-être pris du temps ici, hein, parce qu'on voit qu'il y a. Un cadran, il y a tous des engrenages autour. J'adore cette carte. Elle est vraiment très belle, je ne sais pas si vous la voyez bien. Il y a vraiment une porte ici qui se présente à vous. Il y a une progression. Vous allez la franchir, cette porte, mes petits vierges. J'ai bien l'impression. Vous allez sortir de cette instabilité pour certains d'entre vous. Je vous fais plein de bisous. Alors, mes amis poissons. C'est marrant parce que je connais un couple vierge-poisson et ce suit. Bah c'est drôle, ça. Alors, mes poissons, on va vers une guérison, on retrouve de l'harmonie par rapport à un lien que vous avez avec une personne, peut-être une personne de votre entourage proche, c'est peut-être aussi avec votre hôte ici avec qui vous avez un lien karmique.
On voit des animaux, on voit du soleil, c'est top. Mais on retrouve un apaisement, de la légèreté ici. Il y a une cicatrisation, j'ai envie de vous dire, qui se fait. Vous êtes bien aligné pour demain par rapport à ce lien qui vous unit avec une autre personne de votre entourage proche. Famille, ça peut même être votre autre. C'est parce qu'on n'en a peut-être pas mille non plus que ça pourrait parler de votre. Ça peut être une personne, c'est un lien d'âme sœur pour moi ici. On a une guérison ici, un allègement par rapport à cette personne. Vous voyez un petit peu comment ça résonne en vous. Je fais plein de bisous, mes poissons. Alors, mes sagittaires, coucou les sagittaires, j'espère que vous allez bien. On va aller voir ce qu'on vous sort. On nous parle de la maison, du foyer. On nous parle de contact ici. Et on nous parle d'une victoire. Ici, on a au sein de votre foyer, de mon chez-moi à l'intérieur, là, votre confort ici, votre enfant intérieur aussi, on peut nous parler. On a un rapprochement. Il y a peut-être une rencontre. Il y a le fait de se retrouver. Il y a quelqu'un ici qui reprend contact avec vous en rapport avec votre maison, peut-être directement au sein de votre foyer. On voit que vous en sortez victorieux ici. On a vraiment le trophée, l'épée qui est en l'air. C'est les roses rouges autour de lui. Il y a vraiment un triomphe par rapport à ça. On fête un truc, hein. Peut-être qu'on retrouve quelqu'un qui vous reprend contact avec vous, quelqu'un qui revient vers vous. Voilà, on a vraiment ces énergies-là pour vous, les Sagittaires. On a du contact au niveau du foyer et c'est une victoire. On va se sentir victorieux. Mes cancers, coucou les cancers, j'espère que vous allez bien. Qu'est-ce qu'on vous parle ici? On nous parle de trahison et du temps. Et là, on a la joie. Ici, il y a le fait, on nous parle d'adultère, peut-être de relations triangulaires pour certains, qui durent depuis peut-être beaucoup trop longtemps ici. Il y a le fait aussi d'avoir affaire à de l'hypocrisie ici, peut-être aussi. Il y a quelque chose de lent, d'une attente qui est trop dans la durée. Ça datait peut-être du mois d'avril ici. En tout cas, par rapport à cette situation de trahison qui prend du temps, on a quelque chose qu'on fête. On se sent heureux. On est vraiment dans des félicitations ici. Hein. C'est vraiment, malgré les mauvaises énergies qui ressortent en début, vous vous sentez pourtant plutôt épanoui ici. Hein. C'est plutôt pas mal. Les scorpions. On a ici l'équilibre et le retour, c'est pas mal du tout. On s'est beaucoup protégé ici et je pense que certains scorpions ont retrouvé ici une égalité. Ils ont pesé le pour et le contre ici. On a fait une mise au point et c'est peut-être en rapport avec quelqu'un du passé ou alors c'est peut-être dans les, on me dit les prochains jours ici. Vous tourniez peut-être en rond et on a retrouvé ici peut-être un équilibre. Se protège beaucoup ici, on se protège beaucoup peut-être des choses extérieures ici, des choses qui vous pèsent au-dessus de la tête, mais là on va avoir un retour d'équilibre, ça va revenir vers vous. Donc c'est plutôt positif, mes scorpions. C'est très sympa. Et je vous range là, hop, ici j'ai les Verseaux. Coucou les Verseaux, j'espère que vous allez bien. On me parle de manipulation et de problème ici, une influence de l'abus. Il y a du matérialisme aussi, on nous parle de gains éventuellement, ça vient vous perturber, ça vient vous apporter des doutes, vous êtes dans une confusion pour certains d'entre vous. Et là, j'ai la carte de la séparation. Donc, vous allez peut-être vous séparer ici d'une personne ou cette personne va vous quitter, adapté selon votre situation. Ça va vous sortir de... Vous êtes peut-être manipulé ici par une séparation que vous venez de vivre ici pour certains d'entre vous, pour d'autres. Et que vous vivez plutôt mal, j'ai envie de vous dire, vous êtes manipulé par ça, ça vous obsède, vous êtes sous cette influence-là. Pour d'autres, on va se séparer carrément de cette manipulation, de ces problèmes. On se sépare. J'ai quand même envie d'aller vous en remettre une supplémentaire pour aller voir de quoi. Une suivante, une carte suivante. Ah, mais voilà, ça nous parle de travail. Ok, de quelque chose que vous avez travaillé peut-être dans votre voie intérieure par rapport, comme j'ai dit, à cette séparation. Ou en tout cas, on va se séparer d'un travail où il y a trop de problèmes et trop de manipulations ici pour certains Verseaux. Ici, il y a vraiment des gens ici qui sont dans l'abus, qui sont vraiment en train de de vous embêter. Ça vous apporte énormément de problèmes et on voit qu'on va se séparer ici de ça, de ce travail ou par rapport à ces manipulations et ces problèmes. Voilà.
J'espère que ce tirage aura parlé à bon nombre d'entre vous, pardon, et vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire vos ressentis, à liker si la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Je vous fais en tout cas plein de bisous et je vous souhaite une excellente journée pour demain. Salut, salut!